Et voilà, amis internautes, je suis capable de là, c'est ancien premier ministre Claude Joseph, eh bien, qui débarqué dans le barrage Marion, eh bien, matin et mercredi à là, et c'est lui-même, nous regardé là, qui a pas avancé là, amis internautes, et ancien premier ministre, qui débarqué dans le barrage Marion pour venir regarder comment le barrage là, il est lui-même, on connaît depuis après l'assassinat, et ancien président Jovenel Moïse, lui-même, barrage ça, qui était là, pour contre lui, qui n'est pas vraiment gain rien qui fait sous lui, c'est seulement plusieurs soldats FADH qui étaient à suivre espace là, mais pas vraiment gain rien qui fait dans espace là, amis internautes. Et ben ancien premier ministre lui-même est débarqué là avec toute équipe Livin et visiter barrage Marion. Nous connaissons à l'époque barrage lui-même était à peine inauguré, et ben ancien premier ministre il était à peine et nommé premier ministre. Donc c'est ça, c'est lui-même nous a regardé là qui a visité eh bien espace barrage Marion amis internautes. Restez suivant ça avec nous pour capable tout et ça pour le ministre lui-même. C'est parce que le président Jovenel Moïse a gagné un pile rêve, un pile vision qui fait que les vins jouent comme ça, ils nous font bouger ça pour le président. C'est pas pour lui-même et c'est un projet. Qui a irrigué 10 000 hectares de terre sur 46 000 hectares de terre arabes disponibles dans le département. Donc, c'est un gros projet lié. Donc, pour moi, c'est un gros moment pour ma prévivre le moment de vivre le premier ministre. Donc, c'est ça qui fait que moi, je voulais remercier nos services, encourager nous, parce que le pays a compté sur nous. Le pays a compté sur nous. Et moi-même, je compte sur nous. Je pense que. Rendez-vous, c'est au sommet. Nous ne pouvons pas oublier que nous devons rencontrer la tête à tête pour vous. Nous devons nous passer au sommet. Merci à vous. D'accord. Merci. 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 Donc, c'est moi retourner sous place encore aujourd'hui parce que là, moi songe côté me décamper. Le barrage là t'a inauguré. Moi j'étais là. Donc, moi retourner là encore c'est pour exprimer sens engagement que nous gagnons. Pour projet ça ne pas abandonner. Pour mémoire président Jovenel Moïse pas assassiné. Donc c'est ça que nous suscitons là aujourd'hui. Mais pour me dire barrage ça travail ça chantier ça a dépassé ces personnes de Jovenel Moïse ou de Claude Joseph. C'est travail peuple haïtien. C'est ça que fait les abandonner travail ça c'est nous-mêmes abandonner. C'est ça que fait c'est nous qui pour prendre destin en main parce que les abandonner travail barrage Marion. Les gouvernements mettaient avec dominicains pour ne pas quitter le peuple là. Fait travail sur rivière massacre là. Alors que nous avons droit pour nous prendre plus sur rivière massacre qui pour irriguer 3000 hectares de terre dans Baplen Maribaou. Les oligarques yo mandé pour yo abandonner usine asphalte que président Jovenel Moïse a mis de tout côté yo barrage la Tanria centrale électrique yo c'est nous mêmes yo abandonné c'est ça que fait c'est nous qui pour prendre destin nous en main c'est pas président Jovenel Moïse yo assassiné déjà jodi a nous gagner pour nous prendre destin nous en main nous pas qu'à quitter l'état haïtien dirigé par des oligarques mais particulièrement dans tête de Ariel Henry abandonner tout gros projet que nous gagné projet ou pas projet président Jovenel Moïse encore. C'est projet peuple haïtien. C'est ça que nous demander peuple haïtien pour rentrer dans la bataille pour ne pas permettre quitter oligarchie et abandonner le projet. C'est le président de la vie matérielle qui est là pour régler les problèmes de gens pile dans le canal. Comment vous comprenez? Eh bien, c'est ça. C'est l'État manfoubain, son l'État vraiment qui est insouciant, son l'État décrié,
son l'État, gouvernement impopulaire, c'est ça qui fait que ça yo été là. Moi ouais tout matériel ça yo fin usé. Tout matériel ça yo pas yo abandonné, yo pas utilisé alors que tellement gagné chantier pour population haïtienne, tellement gagné travail pour tabal blo, pour le faire jardin, pour le faire manger parce que nous connaît que vente nous dépend de paysan yo. Donc il est important. Sinon, ces mêmes projets oligarques continuent à faire Haïti dépendre de l'importation de la République dominicaine. Donc, bataille ça, c'est une bataille qui est en pile en jeu là-dedans. C'est peut-être ça, c'est la population qui fait, c'est pas un petit coucou. C'est pas nous-mêmes qui aider. Nous là pour nous jouer au vigile là, nous là pour nous éclairer, nous, mais c'est la population qui vous fait. Après une visite de Massa, qui est toujours à la Romagno, pour que l'autre projet, président Jovenel Moïse, a fait au qualification? Bon, moi fais déjà, pas oublier que moi visiter plusieurs projets que le président Jovenel Moïse a fait ou abandonné. Moi venu là pour me chiter avec nos tables dans le grand bassin, pour nous continuer à parler développement, pour nous parler comment et meilleure façon pour la commune de développer. Nous chita avec Katel magistrat, conseil municipal là, nous échanger, nous chita avec des notables en dans communauté là, qui échanger des informations pertinentes avec nous, et nous penser que c'est sous ça yo, nous allons avancer ensemble dans la bataille là. Même quoi que barrage Marion, pas péri, barrage Marion, pas dû abandonner, même Jean Central électrique, Saint-Philomène, Saint-Raphaël là, Kafoua, yo pas dû abandonner, parce que ça, c'est pas travail au monde, c'est travail population. PMC, vous présentez Marie-José Douala, vous voulez révéler Jovenel Moïse par population. Ariel et Madia, le président Michel Matéli, qui est président de la justice, mais quatre assassinats de Jovenel Moïse. Qui j'aimerais faire? Bon, écoutez, il n'y a pas de monde qui est au-dessus de la loi. Depuis qu'on invite ou, une façon ou l'autre, il faut que vous le présentez. Nous tous, le travail que le Jovenel Moïse a fait, ce n'est pas de travail personnel, c'est de travail pour la population haïtienne. Barrage Marion, pour nous toujours dire, son modèle de développement endogène qui était là et qui doit irriguer 10 000 hectares de terre sous 46 000 hectares de terre disponibles, 46 000 hectares de terre arabes disponibles. Un département. Donc, travail ça, pour nous connaître, et puis après, nous finissons assassiner le président Jovenel Moïse, travail ça, nous avons campé. Et ces populations dans le grand bassin, hein, même gens, mon Wanamet, même gens, mon Bamari Baroufel, pour canal irrigation sur le massacre, c'est eux-mêmes qui pour exiger l'État manfoubéen. Pour travailler ça continue. Nous connaissons qui bataille que nous faisons pour travailler président Jovenel Moïse. Parce que nous toujours dit, assassinat président Jovenel Moïse a fait en trois étapes. Une étape côté, il fait 4 ans, 6 mois, il a assassiné caractère. Une autre étape côté, il a assassiné physiquement. Et troisième étape là, c'est assassiner mémoire. Dans assassinat mémoire, c'est abandonner tout travail que le président lui-même a fait. Tout chantier que le commencé à réaliser. Donc c'est ça qu'on fait par exemple avec toute usine asphalte président Jovenel Moïse. C'est ça qu'on fait avec centrale électrique que le président Jovenel Moïse. Je dis à vous demander tête nous, côte centrale électrique c'est Raphaël. Côte centrale électrique c'est Philomène. Côte tout travail que le président Jovenel Moïse a continué à faire. Il a fait, il a campé, il a initié. Donc c'est ça l'État ça là pour le faire. L'État ça, son l'État avec Ariel Henry dans tête qui a exécuté tout projet criminel, tout projet assassin. Donc, moi viens là pour me dire ça. Moi viens là pour me dire que nous-mêmes nous aider, nous pouvons que le travail du président Jovenel Moïse doit continuer. Bataille nous a fait face à la pression, face à l'intimidation dominicaine pour battre pour rivière, massacre n'est capable d'utiliser pour canal irrigation sur le rivière Massacre est capable opérationnel. Et bien, c'est bataille ça qu'on a continué à faire aujourd'hui. Nous avons fait bataille ça à l'aide des premiers ministres, nous avons fait bataille ça à l'aide des ministres des Affaires étrangères. C'est pas un bail qui est facile parce que nous connaissons les gagnants, un petit groupe qui campait face à ce projet peuple. Aujourd'hui, nous voulons nous croire. Ce n'est pas le président Jovenel Moïse qui travaille, c'est le peuple haïtien qui a barré.
c'est pas travail président Jovenel, c'est pas pareil Marion que y a barré, c'est pas canal irrigation sur le massacre qui a barré, c'est pas usine asphalte que président Jovenel Moïse mette campé dans terre rouge dans gros monde dans grand dans tout côté ça yo pour voir ça à camper. C'est aspiration, c'est l'espoir, c'est rêve peuple haïtien yo campé. Bataille a fait pour craser, abandonner projet ça. Bataille a fait pour assassiner mémoire président Jovenel Moïse, c'est rêve peuple haïtien qui a besoin assassiner. C'est peut-être ça nous demander population haïtienne pour être vigilant, pour être intelligent parce que bataille que nous pas gagnant, c'est bataille nous pas décidé mener. Alors, mais dis-nous, après Barrel, j'ai mis des comités dans l'espace Magnon. Tout ça, j'ai mis des comités dans l'espace Magnon. Non, alors, on connaît que, et je ne sais pas tout à l'heure, Barrage Magnon, l'île là pour d'abord, capacité réservoir, c'est 10 millions de mètres cubes d'eau. Pendant l'année, effectivement, capable de stocker et transiter 20 millions de mètres cubes d'eau. 20 millions de mètres cubes de ça, il a pour irriguer 10 000 hectares de terre. Et 10 000 hectares de terre, ça, comme dit, c'est une augmentation de 7 000 parce qu'il y a 3 000 qui ont commencé à utiliser déjà. Donc ça veut dire que ça, ça veut dire que le travail, ça, c'est le travail qui doit bénéficier paysans, dans le grand bassin. C'est le travail qui doit bénéficier paysans, dans le terrier rouge. C'est le travail qui doit bénéficier paysans, dans le ferrier. Donc c'est le travail, ça, que le gouvernement pouvoir Ariel Henry a campé. Même Jean, sous tribune des Nations Unies, n'a pas mentionné dans aucun moment question canal, irrigation sur le rivière Massacre. Et bien, c'est même travail ça. C'est continuité de travail ça. Parce que si le gouvernement Ariel là est préoccupé, s'il te voulait que le travail là continue, et bien, ça l'a fait, il t'a permis que le ministère de l'Agriculture et le ministère des Travaux publics qui gagne un gros enveloppe budgétaire dans mes yo accompagner moun yo sous canal là. C'est pas à zong yo diaspora t'a obligé à voyer petit cop de temps en temps. Donc c'est parce que pour voir ça, li abandonner moun yo. D'ailleurs, deux concerts dans connivence avec dominicain yo, yo te dit site là pas approprié. Dans connivence avec dominicain yo demandé pour chasser moun qui a fait travail là sous rivière Massacre. Donc c'est pour me dire que Ariel Henry abandonné moun yo. C'est pour nous dire que pour voir ça, il a abandonné le peuple haïtien. Donc, là, nous abandonner, nous comptons qui ça pour nous faire. Donc, nous-mêmes, au niveau de aider, nous avons continué à accompagner la population dans la bataille pour changer les conditions, dans la bataille pour changer le bien-être. Parce que tout ça qu'a fait là, il est dérivé d'un système qui est générateur d'extrême pauvreté, un système qui est générateur d'exclusion, d'inégalité et de violence. Donc nous-mêmes nous aider nous pour casser ce système ça. C'est ça président Jovenel Moïse t'a demandé pour nous capoter ce système ça pour le remplacer par un système qui chita sous justice sociale, qui chita sous côté moun traité tant que moun, qui un système qui permette que nous gagne accès à santé, à éducation, un système qui permette que nous gagne accès à l'eau potable et la trier. C'est bon système mi ou mi bas côté moun grand bassin gros j'ai traité yo et moun dans l'autre côté grand façon a traité yo. Donc c'est bataille ça aider à faire. C'est bataille ça qui aider à continuer. Et nous demandons aux peuples haïtiens pour y avoir été vigilants et intelligents dans la bataille ça. Merci. Okay.